Ici, nous sommes dans le cirque de Salazy. Ça s'est créé par un phénomène d'érosion intense. À la suite de pluies cycloniques, on a eu du creusement. Et finalement, tous ces matériaux se sont évacués vers la sortie du cirque. Par rapport aux deux autres cirques de La Réunion, la particularité de Salazy, c'est la présence d'immenses glissements de terrain. On va dénombrer une dizaine de glissements de grande ampleur. On en a deux qui sont particulièrement impressionnants. Ils font des volumes de 250 millions de mètres cubes. Une des caractéristiques du cirque de Salazy, c'est la forte pluviométrie, c'est-à-dire qu'il pleut à peu près 3 mètres d'eau par an. Donc c'est cette particularité entre la pluviométrie qui est assez forte et la géologie particulière qui va expliquer la présence des glissements de terrain dans le cirque de Salazy. La problématique, c'est la présence d'habitations sur ces terrains qui se déplacent. C'est-à-dire que les habitations sont positionnées sur des terrains qui avancent de manière continue, ce qui va engendrer des fissures sur le bâtiment, qui va engendrer des risques pour la population, des risques également pour les infrastructures. Alors pendant le cyclone Hyacinthe, la mare est partie. On a eu un épisode de 15 jours de fortes pluies. Et ça a déchiré depuis la mare jusqu'à toute la route que vous voyez qu'on a dû refaire. Il y avait un belvédère là-haut. Oui, il y avait un belvédère qu'on retrouve sur des anciennes cartes postales. Pour Hyacinthe, le belvédère est parti. Il a atterri en bas de la falaise, là, et, parce qu'il y a eu un éboulement, d'accord. Il y a eu certainement des mouvements de terrain, et avec l'eau, tout est parti. Là, aujourd'hui encore, vous voyez des fissures qui s'ouvrent quand il pleut, encore, quand il pleut pas. Voilà, quand il pleut, après des épisodes de fortes pluies, on a des failles qui apparaissent. Ce qu'on a pu voir avec les suivis GPS qu'on a mis en œuvre depuis une vingtaine d'années, c'est des phénomènes d'accélération à la suite des précipitations. Concrètement, quand il pleut fort, on va avoir l'eau qui va s'infiltrer dans le sous-sol, ça c'est ce qu'on suppose, et cette eau, qui est le moteur des glissements de terrain, va permettre l'accélération des terrains. Là, sur ce fond de rond-point, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment circule l'eau, où est-ce qu'elle s'infiltre exactement. Est-ce qu'elle suit des discontinuités? Est-ce qu'elle s'infiltre à la base du glissement de terrain? Est-ce qu'elle s'infiltre à un niveau intermédiaire? Et finalement, ça c'est important dans la compréhension du mécanisme. C'est-à-dire si elle est juste en superficie, le niveau de risque n'est pas du tout le même que si elle s'infiltre et qu'elle va en profondeur du glissement de terrain. Nous avons déjà une image de la structure interne du glissement de terrain suite à une campagne de géophysique héliportée. Il s'agissait de faire une sorte de scan 3D des terrains jusqu'à une profondeur de 300 mètres. L'idée, ça serait en effet de venir confirmer l'hypothèse qu'on ait deux surfaces de glissement de terrain superposées et de pouvoir voir s'ils se déplacent à des vitesses différentes. Ok. Là, on a un premier aperçu du glissement de terrain dans son ensemble. Et ce qu'on souhaite, c'est zoomer sur différents secteurs et identifier si on a une présence d'eau, identifier si on a différents compartiments et caractériser l'ensemble du glissement, mais de manière plus précise et surtout confirmer les hypothèses qu'on a pu poser à partir de cette géophysique héliportée. La première phase de la campagne a consisté à déployer une centaine de capteurs sur le glissement de terrain, de la tête du glissement de terrain jusqu'à son aval. Le géophone, il est composé d'un aimant permanent et d'une bobine très sensible qui permet après de transformer les mouvements du sol en signal électrique qui sera après enregistré. Chacun des capteurs va enregistrer une source de bruit et grâce à ces enregistrements-là, on va pouvoir définir la vitesse de propagation des ondes dans ce milieu-là, ce qui va nous permettre d'avoir une cartographie comme une radio du sous-sol. Bienvenue à tous dans la deuxième partie de cette mission. Thank you.
La deuxième phase de cette campagne, elle consiste à déployer ces mêmes 100 capteurs le long, cette fois-ci, d'un profil, d'une ligne qui va traverser le glissement de terrain de l'amont vers l'aval. Alors l'idée d'avoir un seul et grand profil sur 2 km de long, c'est d'avoir une image en 2D verticale, un peu comme une coupe, comme une tranche de terrain, et on va pouvoir imager le terrain jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ils vont enregistrer les ondes émises par une source active. Cette source active, c'est des explosions. Alors cet explosif, on va l'introduire dans des forages de 2 mètres de profondeur pour qu'il soit au contact avec les matériaux du sous-sol. Et au moment d'exploser, il génère une onde mécanique, donc il va provoquer des vibrations du sous-sol. Et c'est ces vibrations-là qu'on va enregistrer le long du dispositif d'enregistrement. Chaque explosion va générer deux types d'ondes. Des ondes primaires, c'est celles qu'on enregistre en premier, qui vont se propager dans le milieu à une certaine vitesse. En deuxième lieu, on enregistre un deuxième type d'ondes, c'est les ondes secondaires. Elles se propagent aussi à une autre vitesse, qui est un petit peu plus lente. Les ondes primaires, elles vont nous permettre de scanner le sous-sol avec une précision très fine. Pour caractériser la présence d'eau, ce qu'on va utiliser, c'est cette fois-ci les ondes secondaires qui, elles, ne se propagent pas dans les milieux qui sont saturés en eau. En comparant les modèles de vitesse des ondes premières par rapport aux ondes secondaires, on va pouvoir imager les endroits où il y a de l'eau et les endroits où il n'y a pas d'eau. Donc finalement, ce qu'on a pu comprendre de ce glissement, c'est tout d'abord un volume qui est particulièrement important. En arrière du glissement de terrain, on est un peu inférieur à une centaine de mètres, de l'ordre de 50-75 mètres vers la rivière. C'est là où le glissement de terrain est le plus imposant. On a presque 200 mètres d'épaisseur du glissement de terrain. Cette campagne nous a permis de confirmer le fait qu'on avait deux glissements superposés dans la partie aval, donc la partie la plus proche de la rivière. Aujourd'hui, on se pose encore des questions du rôle de chacun de ces glissements, c'est-à-dire qu'on a une base de glissement, un premier corps de glissement qui va avancer, un deuxième au-dessus qui glisse. On sait qu'on a de l'eau qui va circuler entre ces glissements de terrain, qui circulent dans la partie supérieure. Par contre, la question qu'on va se poser, c'est effectivement, est-ce qu'on a des différentiels de vitesse ? L'enjeu finalement, c'est d'avoir une image fine du glissement de terrain. C'est ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir modéliser le glissement. Ça va nous permettre à long terme, par exemple, de simuler le changement climatique. Si les cyclones sont plus forts, est-ce qu'on doit s'attendre à avoir des secteurs qui vont s'accélérer? Est-ce qu'on va s'attendre à avoir des secteurs qui sont déstabilisés d'un coup, c'est-à-dire tout va s'effondrer d'un coup? Une cartographie fine de ce glissement de terrain, connaître sa structure interne, connaître les circulations d'eau, ça va directement nous donner une information sur quel est le niveau de risque pour les infrastructures et surtout pour la population de Salazie.